فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà, c'est impressionnant tout ce qu'on fait. Il y en a une vingtaine là, Allah, on croyait que c'est un petit derf bâti d'un frère simple. Allah Moussan. On est sallallahu alayhi wa sallam tawfiq. On est sur un affaire de l'année à l'akhira. Parce qu'avec ça là. Alors, notre hadith, notre mawdou, ou le hadith, ça yakoun al hadith al-mashhour ou al-ma'rouf. وهو الذي يقول الله عز وجل في يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Notre sujet aujourd'hui, c'est le hadith connu et que tout le monde a déjà entendu sûrement une fois, que ce soit dans les salats de Jumu'ah ou dans les durous. Un hadith vraiment très connu, où le prophète Ali salat wa salam nous informe, il nous dit qu'il y a sept personnes. Au début, on pensait que c'est des personnes, mais ici, le shara', comme le mentionne Cheikh Al-Athaymi, il dit non, ce ne sont pas sept personnes, mais ce sont sept catégories, sept catégories de personnes. La première de ces catégories, la première de ces catégories qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, Imam Adil, un homme, un gouverneur qui est juste, wa shabun nasha fi ibadatillah. Et un jeune qui a grandi, qui a poussé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Et un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Wa rajulan tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Et deux hommes qui se sont aimés pour Allah Azza wa Jal. Ils se sont rencontrés en lui, pour lui. Et lorsqu'ils ont été séparés, ils continuent à s'aimer pour Allah Azza wa Jal. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Et un homme qu'une femme d'une certaine catégorie, avec un certain statut, et en plus que ça qui est belle, qui l'a appelé à commettre l'irréparable, comme on dit, l'un des plus grands péchés qui est zina, qui l'a appelé à commettre un des grands péchés, et il lui a répondu, Inni akhafullah, j'ai peur d'Allah Azza wa Jal. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Et un homme qui donna une aumône, et tellement il cacha cette aumône que sa main gauche ne savait pas ce que sa main droite avait donné comme aumône. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan. Un homme qui invoqua Allah en solitude, dans un endroit seul. فَفَاضَتْ عَيْنَا. Ses yeux se sont mis à pleurer. Alors pour faire le sharh de ce hadith, il faut tout d'abord savoir se mettre un peu dans le hadith. Quand le prophète alayhi salam il dit سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ. Le prophète ici nous informe qu'il viendra un jour qui sera le jour du jugement dernier, un jour très très dur, que ce soit pour les musulmans ou pour les non-musulmans, mais surtout pour les non-musulmans, un jour où il n'y aura aucune ombre, il n'y aura pas de bâtiments, les bâtiments seront en poussière, il n'y aura pas de montagnes, les montagnes seront en poussière, il n'y aura pas d'arbres, il n'y aura rien pour s'abriter. Un jour où le soleil va se rapprocher de la terre, comme il est venu fil hadith, que le soleil va se rapprocher de la terre. Les gens, ce jour-là, seront dans leur sueur. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wa salam, Ya'ruqu an-nas yawm al-qiyamah.
les gens seront dans leur sueur, sueront le jour du jugement dernier. حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. Tellement ils vont suer ce jour-là, puisque le soleil sera près d'eux et avec tous les soucis qu'il y aura, que leur sueur partira dans la terre. Elle partira 70 coudées sous la terre. C'est-à-dire quand la sueur va couler, elle va partir 70 coudées sous la terre. Mais tellement ils auront sué qu'elle commencera à monter sur terre. Alors le prophète A.S. il dit que la sueur, il y en a, elle leur arrivera jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux. Et elle montera comme ça jusqu'à ce que certains se noieront, parce que la sueur leur arrivera jusqu'aux oreilles. Alors ce jour-là, tout le monde voudra s'abriter sous une ombre. Mais comme je vous ai dit, il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de bâtiment, il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura rien pour s'abriter. Il n'y aura rien pour s'abriter. Et ce jour-là, Allah Azzawajal, alors là, il y a un shara qu'il faut faire attention, c'est que le prophète A.S. il dit « Seb'atun yudhilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh » Cette catégorie de personnes, Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre que son ombre. On a vu qu'il n'y aura pas d'ombre parce que tout sera en poussière. Et le seul ombre qu'il y aura, ça sera l'ombre que Allah Azza wa Jal. Alors il y a deux tafsirs, il y a deux charges pour cette chose-là. Certains ont dit que ça sera une ombre que Allah Azza wa Jal va créer ce jour-là. Une ombre que Allah Azza wa Jal va créer ce jour-là. D'autres ont dit que ça sera l'ombre du trône, d'une partie du trône, et elle suffira pour abriter tout le monde. Parce qu'il faut se dire qu'il y en a un qu'il y aura l'awwalin ou l'akhirin. Ça veut dire qu'il y aura tout le monde. Il y aura les prédécesseurs, il y aura tous, ça veut dire nos grands-parents et les grands-parents de nos grands-parents, et ainsi de suite. Tous les gens qui ont habité sur terre, ce jour-là, ils seront, et tous les êtres humains, ce jour-là, sortiront de leur temple. Alors imaginez combien il y aura de monde. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal va créer une ombre qui pourra abriter tous ces gens-là. Et certains ont dit, non, ça sera seulement une partie ça sera une partie du trône d'Allah Azza wa Jal qui cachera notre ombre. Le Cheikh Al-Hassani il dit, et surtout, faites attention à ne pas croire qu'Allah Azza wa Jal sera sous le soleil. Parce que d'habitude, sur notre terre, c'est comment ça se passe? C'est qu'il y a le soleil, et il y a l'être humain, et l'ombre de l'être humain est faite par rapport au soleil. Le Cheikh Al-Hassani il vous dit, surtout, ne venez pas à comparer ce qui se passe sur cette terre avec Yom Al-Qiyamah. Ne venez pas à penser que le soleil, qui est une créature d'Allah Azza wa Jal, sera au-dessus du créateur. Et subhanallah, le shirk sur ces choses-là, il a dit, celui qui pense à ça, indam balada, il est vraiment bête, il est vraiment simple d'esprit, une simplicité plus forte que celle de il avait dit, aklamakum Allah, il avait dit le himar. Que comme quoi, penser une chose aussi simple que celle-là, c'est vraiment pour les simples d'esprit. De penser que la création d'Allah Azza wa Jal, elle sera au-dessus du Créateur, que le soleil sera au-dessus d'Allah Azza wa Jal, c'est vraiment une grosse erreur de penser ça. Mais ce qui est le plus juste, c'est que de penser fi zillihi, ça sera une ombre que Allah Azza wa Jal va créer, ou ça sera l'ombre d'une partie du trône et qui suffira à toute la création. Pour ce qui est des montagnes, qu'elles seront en poussière comme on a invoqué tout à l'heure, Il y a un verset où Allah Azza wa Jal dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Il t'interroge sur les montagnes. فَقُولْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dit mon Seigneur les dispersera comme de la poussière. Imana Allah Azza wa Jal qadr, il ne restera rien. Alors imaginez ce jour-là. Tout le monde voudra se mettre sous une ombre, mais on ne trouvera rien, sauf l'ombre que Allah Azza wa Jal a créée. Mais cette ombre-là, il faudra la mériter. Pour ce qui est de Yom Al-Qiyam, Allah Azza wa Jal nous décrit ce jour-là, dans plusieurs versets. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal nous dit que Yom Al-Qiyam, il va nous rassembler, pour que l'on rende des comptes. Pour ceci, Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre.
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Et Allah appartient à ce qui est dans les cieux et de la terre pour qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal pour ce qu'ils ont fait comme mal, et qu'il récompense ceux qui ont fait du bien pour le bien qu'ils ont fait. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, pour nous montrer les horreurs qu'il y aura yom al-qiyamah, il nous dit: Ya Yohannas, ittaqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Il dit: Ô homme, craignez votre Seigneur. Comme dans la traduction, comme ça on ne risque pas de faire d'erreur. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle a laissé, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Alors, on revient au hadith. Le prophète alayhi salam, il dit: Sab'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sept catégories de personnes seront dans l'ombre d'Allah Azza wa Jal, l'ombre que Allah va créer, ou l'ombre d'une partie de son trône, le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne. Pourquoi? Parce que toutes les montagnes seront détruites, tous les bâtiments seront détruits, il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura rien sur lequel les gens pourront s'abriter. Parmi ces sept catégories, le premier, l'awwal al-mazkur, huwa imam al-adil. Le premier qui est mentionné, c'est un gouverneur qui est juste. Et bien sûr, un gouverneur ne peut pas être juste, sauf s'il applique la loi d'Allah Azza wa Jal. Parce que la loi d'Allah Azza wa Jal est la plus juste des lois. Car la loi d'Allah Azza wa Jal est la plus juste des lois. Car les lois des êtres humains. Aujourd'hui, l'être humain, il peut être fâché sur une partie. Alors il va être dur dans sa loi. Un autre jour, l'être humain, il voudra pour de la corruption, pour un pot de vin, Il délaissera dans quelque chose. Mais Allah Azza wa Jal est toujours juste. Alors la loi la plus juste est celle d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. Et pour ceci, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans plusieurs versets: Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Certes, Allah vous commande l'équité et la bienfaisance. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il ordonne à Daoud, Ya Daoud, inna ja'annaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haq, wa la tattabi'i l'hawa, fayuzillaka an sabilillah. Dans un verset, Allah Azza wa Jal, il ordonne à Daoud. Il lui dit: Oh Daoud, nous t'avons mis comme gouverneur, comme calife sur la terre. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. Allah Azza wa Jal, il recommande à Daoud. Il lui dit: juge entre les gens avec vérité. Et ne suis pas les passions, car il était garant du sentier d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah Azza wa Jal vous recommande de rendre les dépôts à leur ayant droit. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Et si vous venez à juger entre les gens, jugez avec justice. Et ceci, bien sûr, l'imam al-'adl, c'est le gouverneur. Mais ça rentre aussi pour tout le reste de la communauté. C'est-à-dire, si tes deux enfants, une chose très simple, si tes deux enfants venaient à se disputer, toi, cher musulman, tu devrais être juste entre les deux. Pas dire celui-ci est l'aîné alors cause l'homme le plus petit, ou dire celui-ci est un garçon alors cause l'homme la fille. Non, tu dois juger entre les deux avec justice. Si tes frères ont une dispute entre eux, tes frères de sang ou tes frères dans l'islam, tu dois venir juger entre eux avec justice.
et ne pas être injuste envers l'un d'entre eux. Et ne pas être injuste envers l'un d'entre eux. Pour ce qui est des hadiths, j'essaye toujours, bismillah, de, après un verset, un hadith, où le prophète, il y a un hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة l'un des compagnons qui a rapporté le plus de hadith, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith, nous informe que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe que les مقسطين, ceux qui sont justes عند الله, ils seront, inshallah, à la manabir min nour, sur des mimbars de nour, à la manabir min nour, an yamin al-rahman, à droite du miséricordieux, à droite de la, an yamin al-rahman, wa kilta yadayhi yamin, et ses deux mains sont droites. Allah Azza wa Jal n'a pas de main gauche, mais ses deux mains sont droites, comme le prophète Ali salatu wa salam nous informe dans ce hadith. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما والوه. J'en profite pour revenir sur un point, parce que ça a perturbé pas mal de frères sur le hadith, sur le verset d'hier. Où Allah Azza wa Jal dit يوم يكشف عن ساق. Moi je l'ai traduit par celui, le jour où l'on verra les horreurs. Je l'ai traduit par le jour où l'on verra les erreurs. Pourquoi je l'ai traduit par ça? Parce que je suis parti voir dans Tafsir ibn Kathir, et la plupart des Mufassirin, et parmi Ibn Abbas, dit que Yom Ayukshafa Ansar, le jour où on dévoilera les horreurs, mais Ansar en langue arabe, Sar c'est Sar, le pied. Sar c'est le pied. Et nous, Ahl al-Sunnah wa Jama'a, nous disons que Allah Azza wa Jal, il a un Sar. Et c'est venu dans plusieurs hadiths. Mais hier, dans le verset d'hier, la plupart des Mufassirin ils disent ici c'est pas Sar en lui-même, mais c'est une phrase que les Arabes employaient. Et Yukshafa Ansar, ça veut dire le jour où ils verront les horreurs, le jour du jugement dernier. Alors ici aussi, wa kilta yadayhi yamin, on dit que Allah Azza wa Jal, il a deux mains droites. Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma waluh. Ceux qui sont justes dans leur jugement avec leur famille. Et tous ceux qui sont en dessous de leur gouvernement, de leur autorité. Après qu'on a vu la récompense, de ce liadlu, et on a vu que c'était la première catégorie, on va voir la deuxième catégorie. Des personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. Shabun nasha fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est du jeune, Cheikh Al-Athaymin, il dit le jeune est catégorisé. On dit qu'une personne est jeune quand elle a entre 15 et 30 ans. Alhamdoulilah, si on a moins de 30 ans, on rentre dans Fish Shabab. On est toujours mentionné comme Shab. Entre 15 et 30 ans. Avant ça, c'est un enfant. Et après ça, c'est même les Shabab, c'est des hommes, mais ça sera vraiment Sheikh, quoi. Vraiment une personne âgée. Et un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui sait c'est quoi qui est halal, c'est quoi qui est haram, c'est une personne qui sait comment prier, comment donner la zakat, comment ça. À partir de là, Cheikh Al-Athaymin, il a dit, c'est pratiquement certain que cette personne-là, il ne peut être que talib al-ilm. Cette personne-là ne peut être que quelqu'un qui demande la science. Un jeune entre 15 et 30 ans et qui adore Allah Azza wa Jal, qui adore Allah à la basira, comme vous savez, un acte n'est accepté que s'il respecte deux conditions qui sont l'ikhlas Allah Azza wa Jal, qui sont la sincérité pour Allah Azza wa Jal et qui est la mutaba'a du prophète alayhi salatu wa salam. Et ces deux choses-là, on ne peut les avoir qu'avec la science.
Donc à partir de là, on sait que Shab ou Nasha fi ibadatillah, ce sont les jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ces jeunes-là ne peuvent être que des jeunes qui ont appris leur religion, qui ont assisté aux durous, qui ont étudié les livres, qui ont lu les livres et ainsi de suite. La troisième catégorie des gens qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne, رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Ici, le harf il est venu sur le message, même s'il est un peu dur pour nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser le fi. Il faut savoir que حروف الجر, certains peuvent remplacer d'autres. Il est venu sur le message, on peut dire bil masajid. Ça veut dire, peut-être que le francophone qui venait à traduire mot à mot, il arriverait à dire une chose qui serait stupide et qui dirait un homme dont le cœur est accroché dans la mosquée. Fil masajid. Mu'allaqun fil masajid. Alors que non, c'est un homme dont le cœur est toujours accroché, mais au sens symbolique, un homme qui pense toujours aux mosquées. Et ici, fil masajid, il y a eu deux tafsirs. Il y en a, il dit fil masajid parce que c'est makan et sujoud, c'est l'endroit où on fait les prières, donc son cœur est attaché aux prières. Et d'autres, ils disent non, fil masajid, ce sont vraiment les mosquées, les constructions en elles-mêmes. Et là, on voit, subhanallah, l'importance des mosquées, c'est-à-dire nous, comme prières, ou comme gens qui assistent à des durous, on vient, on s'assoit, mais on ne sait pas tout ce qui a été fait derrière. C'est-à-dire, on est assis sur un beau tapis, on ne se dit pas que qu'il y a eu des gens qui ont dépensé, d'autres qui ont porté le tapis sur leur dos pour que nous, on puisse s'asseoir. On utilise un micro, on ne sait pas que c'est une personne qui a sacrifié, elle a dit non. Ça ne sera pas pour acheter un jeu pour mes enfants, mais ça sera pour la mosquée. On ne sait pas qu'une personne a sacrifié pour la mosquée. On s'assoit sur une chaise, on ne sait pas que c'est une personne qui l'a ramené de sa voiture jusqu'ici, une autre qui l'a acheté, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a toujours des gens qui s'occupent des mosquées. Et comme il est dit dans le hadith, « Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. » Celui qui ne remercie pas les gens, il remerciera pas Allah Azza wa Jal. Et j'en profite l'occasion pour remercier les frères de la mosquée des Mureaux, une mosquée que l'on aime beaucoup, qui nous a accepté. C'est le deuxième séminaire qu'on fait ici. Et subhanallah, cette mosquée, elle a toujours été dans le cœur. Pourquoi? Parce que la première fois, subhanallah, qu'on avait assisté à des durous, ça remonte à une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, subhanallah, je suis venu dans cette mosquée, c'était l'un des premiers durous que j'avais assisté. Et subhanallah, c'était la première fois, je me souviens aussi de l'impression, c'était la première fois que je voyais autant de barbus. Et aujourd'hui, la ilaha illallah, la ilaha illhamd, on en fait partie. Mais au début, subhanallah, on était étonné de voir autant de musulmans. Et la mosquée, subhanallah, même à l'époque, on avait dormi quelque part là-bas, et elle était ouverte. Et déjà à l'époque, elle était en construction. Et déjà à l'époque, subhanallah, c'était un hem. Pour ceux qui étaient là, comment ils allaient récolter l'argent, comment ça. Et hier, subhanallah, quand le frère il a dit, ouais, on a encore un autre souci, une autre épreuve passe sur la mosquée, j'ai dit, fais un jour, Allah Azza wa Jal, qu'Allah les récompense. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, man bana lillahi masjidan, bana Allah ou lahu baytan fil jannah. Celui qui construit pour Allah. Pas pour qu'on écrive son nom ou pour qu'on dise telle personne est généreuse ou parce qu'il est. Non, celui qui construit une mosquée pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui construira une maison au paradis. Un château au paradis. Et on demande à Allah Azza wa Jal que les responsables de la mosquée des Mureaux et le reste des responsables de toutes les mosquées de France soient récompensés et que Allah Azza wa Jal leur construise à chacun un château. Alors on revient, mosquée de Mureaux, elle est vraiment dans le cœur. Fajzaam Allah khair les frères. Alors on revient. وَشَابُ النَّشَافِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Pour ce qui est des mosquées, Allah Azza wa Jal les mentionne dans un verset, il dit إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ.
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Allah Azza wa Jal dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier. C'est vrai, une personne qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal et au jour du jugement dernier, un dervish comme celui-ci, ce serait le plus dur pour lui. Il voudrait dormir, il voudrait sortir, ce serait impossible de le tenir dans la mosquée. Et une personne qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'elle viendrait faire dans la mosquée? C'est l'endroit où on adore Allah Azza wa Jal et lui il ne l'adore pas. Pour ça ici Allah Azza wa Jal il dit innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Et ne craint qu'Allah Azza wa Jal. Ulaika fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. La quatrième des catégories qui est mentionnée dans ce hadith, ce sont deux personnes, c'est-à-dire deux personnes qui rentrent dans cette catégorie. Rajulani tahabba fillah, qui se sent aimé pour Allah Azza wa Jal. Ils ne se sent pas aimé parce que un lien de parenté. Ils ne se sent pas aimé parce qu'ils ont fait du commerce ensemble. Ils ne se sent pas aimé parce que pour n'importe quelle raison, mais il se sent aimé pour Allah Azza wa Jal. Et le meilleur endroit où tu peux rencontrer quelqu'un que tu aimeras pour Allah Azza wa Jal, ce sont les mosquées. Et parmi les endroits où tu peux rencontrer des frères que tu pourras aimer pour Allah Azza wa Jal, ce sont aussi le Hajj, la période du Hajj. En effet, subhanallah, on voit que Allah Azza wa Jal a fait le Hajj une fois dans l'année pour que tous les musulmans, subhanallah, de partout viennent et s'aiment pour lui, Allah, pour lui. Et on voit, subhanallah, cette année, on est, walillah, alhamdulillah, on était parti au Hajj. Et on avait vu, subhanallah, des gens du Tadjikistan, un pays qu'on ne connaît même pas. Et subhanallah, ils étaient habillés avec... Des gros bonnets, mais vraiment rien à voir avec nos bonnets à nous, des bonnets en fourrure. Leurs chaussures, elles étaient en fourrure aussi, subhanallah. C'est étonnant de voir ça. Des chaussures en fourrure avec des parkas super longs. Et subhanallah, le fait de voir ces gens-là, de dire ils sont venus vraiment d'un pays très loin, d'un pays très froid, ils sont venus dans un pays chaud comme ça, on les a aimés pour Allah Azza wa Jal juste parce qu'ils sont venus faire le hajj alors qu'on ne les connaît même pas. Et ça fait partie de le fait d'aimer pour Allah Azza wa Jal. On ne connaît même pas leurs prénoms et on les aime pour Allah Azza wa Jal. Certaines personnes, je me souviens, ils étaient étonnés de voir des gens en France pleurer pour leurs frères en Palestine, alors qu'ils ne connaissent même pas leur nom, ils ne connaissent même pas combien ils ont d'enfants, ils ne savent même pas, ils ne savent rien d'eux. Mais juste parce que l'iman est entre eux, la foi est entre eux, ils se mettent à pleurer à 6000 km loin d'eux. J'avais vu, subhanallah, ils mettaient des petits extraits comme ça. Une personne âgée, elle disait, voilà, je n'ai pas dormi toute la nuit. C'était une convertie. Elle avait une Française convertie. Elle avait dit, une personne âgée, elle avait dit, j'ai pas dormi toute la nuit parce que j'ai vu ce qui se passait en Palestine. Subhanallah. Il suffit qu'elle s'est accrochée à l'islam pour pouvoir ressentir ce qui se passe à 6000 km sur nos frères là-bas. Alors, Rajulan, tahabba fillah, ijtama alayh, ils se sont rencontrés pour lui, wa tafarraqa alayh, et ils se sont séparés, c'est-à-dire la mort, elle est venue. Dieu, ils s'aiment toujours pour Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'ils ont fait du commerce ensemble, peut-être qu'ils ont eu pas mal de relations ensemble. Malgré tout ce qui s'est passé sur cette terre, ils sont morts en s'aimant toujours pour Allah Azza wa Jal. Son frère a fait une erreur, il lui a cherché 70 excuses. Peut-être qu'il lui est arrivé ça. Alors que, subhanallah, ça c'était le Ind al-Salaf. Maintenant, nous, subhanallah, il suffirait qu'un frère vienne un peu en retard. Oh Allah, il dit, ce frère-là, il abuse.
il fait toujours ça. Peut-être c'est la première fois qu'il fait toujours ça. Alors, et s'il continuait un peu, si une personne elle venait, et si l'autre venait à entendre ce qu'il a dit, il dira, ah, telle personne a parlé sur moi, il a fait une erreur, il a parlé sur toi, je ne lui parle plus, moi aussi, c'est fini entre nous, il y a juste Salam, et peut-être même Salam, s'il continue, on va arrêter. Alors que non, si tu veux rentrer dans cette catégorie, il faut que tu aimes la personne pour Allah Azzawajal, et que vous êtes mort en vous aimant pour Allah Azzawajal. Et que vous soyez toujours restés comme ça. Le quatrième, on est arrivé au cinquième. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فلا إله إلا الله. Cela, une femme. Certains, peut-être juste une femme les appelle, ils tomberaient dans le piège. Cela, non. C'est une femme qui l'a appelée. Mais ce n'est pas n'importe quelle des femmes. C'est une femme sur laquelle la fitna est encore plus dure à combattre. C'est une femme qui a une certaine position. C'est-à-dire une femme, ce serait juste une fierté de dire que telle personne est avec cette femme. Ce serait juste ça en soi, ce serait une fierté. Cette personne-là, elle a un mansib, elle a un certain statut. Et en plus que ça, c'est une femme qui est belle. Et malgré ça, qu'il l'a appelé à commettre l'adultère, qui est un très très grand péché. Et cette femme, elle a un certain statut, elle est belle, et malgré ça, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a pas répondu, non, peut-être que les gens vont nous voir. Il aurait pu répondre ça. D'avoir peur des gens, plus que d'avoir peur d'Allah Azzawajal. Dire, oh non, peut-être que les gens vont nous voir. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si mon père savait, si ma mère savait. Non, il n'a pas répondu ça. Il lui a pas dit non, c'est pas belle. Oh non, c'est pas à mon goût. Oh non, ça. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu une phrase par laquelle même elle peut craindre Allah Azzawajal. Il lui a dit, Inni akhafullah. J'ai peur d'Allah Azzawajal. C'est la raison pour laquelle je ne ferai rien du tout avec toi, c'est que j'ai peur d'Allah Azzawajal. Alors, directement, cette catégorie-là, on pense directement à Youssef, alayhi salam. Youssef, tout le monde connaît son histoire. Allah Azza wa Jal, il dit que c'est la plus belle des histoires. Allah Azza wa Jal, en parlant de l'histoire de Youssef, dit que c'est la plus belle des histoires. Il a dit, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Et il a dit, et celle qui l'avait reçue dans sa maison, parce qu'il était dans la maison de l'Amir, il était dans la maison de cette femme. Elle lui a demandé de commettre le grand péché. Et elle a fermé toutes les portes. Imaginez déjà, c'est une grande fitna. Il est dans une maison d'une personne qui a un statut, c'est la femme de l'Amir. Il est dans sa maison. Elle a fermé toutes les portes. C'est-à-dire déjà, il peut dire que plus personne ne va me voir. C'est comme si elle l'aidait, elle était en train de l'aider pour commettre le grand péché. Et lui, lui dit, je suis à toi. Subhanallah, c'est une fitna ou c'est pas une fitna? C'est une grande fitna. Et malgré ça, il a dit, oh Allah, mets-moi sous ta protection. Qu'Allah me mette sous sa protection, qu'Allah m'éloigne de ça. Qala ma'az Allah, qala ma'az Allah, innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Il a dit, oh Allah, protège-moi. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile, vraiment les injustes ne réussiront pas. Et c'est cette catégorie-là, on peut l'appliquer exactement sur Youssef, alayhi salam. C'est une femme qui a un certain statut et qui a une certaine beauté, qui l'a appelé à accomplir l'adultère. Et malgré ça, ici dans le hadith,
il est dit « Inni akhafullah ». Et là, Youssef, lui, il a demandé directement la protection d'Allah Azza wa Jal. Et pour ce hadith-là, il y a un verset aussi qui nous dit ça. Il dit « Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi » Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, « Wa naha an-nafsa 'anil hawa » et préserve son âme de la passion, anil hawa, qui était ici zina. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Alors celui-ci, al-ma'wa, l'endroit, son refuge, sera le paradis. L'avant-dernière des catégories, huwa rajulun, c'est un homme. Ici, vous entendez beaucoup rajulun, rajulun, rajulun. C'est vrai, mais dans notre législation, dans tout ce qui vient dans Sharia, partout où il est dit rajulun, bien sûr, la femme rentre dedans. C'est-à-dire une femme qui serait juste avec ses enfants ou avec ce qu'elle a sous son autorité, elle rentre dans ce hadith. Une femme qui grandit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle rentre dans ce hadith. C'est-à-dire, subhanallah, une femme, par exemple, surtout nous ici en France, une femme qui, subhanallah, alors qu'elle voit les femmes dans la rue, elles essayent d'être les plus belles possibles. Elles se maquillent avec toutes sortes de maquillages, avec des habits de plus en plus moulants et ainsi de suite. Et malgré ça, la sœur, subhanallah, elle s'attache à sa religion, elle met un hijab, elle se cache, elle se cache du regard des hommes, elle tient à sa religion. Bien sûr, elle rentre dans ce hadith-là, biznillah. Pourquoi ? Parce que, subhanallah, c'est vraiment, nous les hommes, on souffre un peu avec notre barbe. C'est un ibtila pour certains, la barbe en France. Alors imaginez une sœur, subhanallah, qui est mutahajiba. Quand elle passe dans la rue, c'est, on dirait, l'attraction, subhanallah, on la regarde à droite, à gauche. Imaginez comment l'épreuve est dure pour elle. Mais si elle s'accroche à sa religion, Allah Azza wa Jalla la récompensera. Et c'est exactement pareil. Si une femme donne avec sincérité, elle pourra rentrer dans cette catégorie. Et une femme qu'un homme appelle à un grand péché, et qu'elle répond « Je crains Allah Azza wa Jal », elle rentre dans ce hadith, bismillah. Alors on revient « Wa rajulun » et la femme rentre dedans « Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha » Il y a un homme qui donne une sadaqa « fa akhfaha » Il l'a caché en la donnant. C'est-à-dire, par exemple, là, quand vous allez sortir de la mosquée, il va y avoir les frères qui se sacrifient pour demander de l'argent pour la mosquée. Ben, si vous venez à donner cette sadaqa en la cachant, فَأَخْفَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُهُ. C'est-à-dire, il va donner la sadaqa sans que sa main gauche, en fait c'est une hyperbole ici, sans que sa main gauche sache ce qu'a donné sa main droite. C'est-à-dire, tellement il a caché cette chose-là que même sa personne ne l'a pas su. Tellement il a voulu donner sans que les gens le voient, alors même sa personne n'a pas su. Et ça pourrait se faire concrètement, c'est qu'une personne, elle ne sait pas combien elle a d'argent dans sa poche, elle prend tout ce qu'il y a, c'est pas elle compte, ah, des pièces jaunes, ça c'est pour la mosquée. Non, c'est elle prend tout ce qu'il y a dans sa poche et elle le donne pour Allah Azza wa Jal. Vous me direz, ouais, mais le prophète A.S.A.S.A.L.A.M. a déconseillé de donner tous ses biens. Non, ne t'inquiète pas, il y a encore le compte en banque derrière, machallah. Il y a tout ce que tu thésaurises à la maison aussi. Donc ne t'inquiète pas, si tu donnes tout ce qu'il y a dans ta poche, il te restera de l'argent. Et pour cette catégorie-là, il y a un verset du Coran, subhanallah, qui est wava, qui est vraiment clair sur ce sujet-là. Où Allah Azza wa Jal, il dit In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Il dit, si vous donnez les sadaqas, c'est quelque chose de bien. C'est clair, vous donnez la sadaqas,
c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le reste du verset du Coran ? Il dit « wa in turfuha » et si vous venez à cacher ces sadaqas. « Wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum » mais si vous venez à cacher ces aumônes et que vous la donniez aux fuqara, aux pauvres, sans que les gens le voient, c'est encore mieux pour vous. Et ici les savants ils disent « mais des fois, c'est bien de donner la sadaqa devant tout le monde. » C'est-à-dire, il y a l'exemple, la mosquée du Miro, je vous ai dit, elle était chère dans mon cœur. Il y a un frère qui rentre et qui demande de l'argent pour la mosquée des Miro. Alors tout le monde reste comme ça, il dit, Inch'Allah, il passe pas à côté de moi, Inch'Allah, il passe pas à côté de moi. Mais si toi, tu te lèves devant tout le monde, mais à condition, bien sûr, que tu te lèves pour Allah, tu te lèves devant tout le monde, tu dis, moi, je vais être le premier. Quand les gens t'ont vu donner, ils vont dire, oh Allah, le frère, il a raison, moi aussi, je vais donner. Ben là, peut-être que c'est mieux de l'avoir montré aux gens. Mais toujours avec ikhlas. Et pourquoi c'est mieux de la cacher ? Et pourquoi c'est mieux de la cacher ? Parce que elle est plus proche de l'ikhlas. Comme pourquoi c'est mieux de prier salawat, les prières nafila à la maison ? Pourquoi ? Parce que c'est plus proche de l'ikhlas que si tu venais à la prier devant tout le monde. Mashallah, il arrive à 10, 12, 14. Oh là là, mashallah. Mais si tu viens à la prier pour chez toi, ça sera plus proche de l'ikhlas. Inch'Allah. Fin du discours à 12h. Pourquoi ? Car repas après. Il dit lui-même, c'était Ahmed ibn Hanbal, si je me souviens bien. Il dit que les gens ont plus besoin de l'ilm que le fait de manger et de boire. Pourquoi ? Parce que le fait de manger et de boire, ce sera pour ce bas monde. Mais l'ilm, ça te servira dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pas grave, donc, avec ça, 12h10, 12h15, c'est pas grave, inchallah. Alors, ils disent, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالٌ مَا تُنْفِقُ يَمِينٌ. Bismillah, pour cette catégorie-là, on a terminé. La catégorie d'après, c'est وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهِ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا. C'est un homme qui invoqua Allah Azzawajal, ici, خَالِيًا, il y a deux tafsirs. Il y en a certains, ils ont dit خَالِيًا, ça veut dire dans un endroit où personne ne peut le voir. Dans un endroit où personne ne peut le voir, il est tout seul. S'il pleure, le seul qui va le voir, c'est Allah Azzawajal. Le deuxième des tafsirs, ils disent خَالِيًا, ça veut dire il a invoqué Allah sans penser à autre chose. C'est-à-dire par exemple, c'est pas tu viens à la mosquée et t'as laissé ta voiture mal garée. Alors pendant la salat, t'es en train d'invoquer Allah Azzawajal, mais c'est pas khalien, t'es en train de penser à la voiture, je l'ai mal garée, subhanallah, faut que je sorte. Salat, t'as pas invoqué Allah tout seul, mais t'as invoqué Allah en pensant à autre chose. T'as invoqué Allah en pensant à toute chose. Alors khalien, il y a deux tafsirs. Il y a ceux qui disent que c'est dans un endroit où il est tout seul, et d'autres qui disent ils invoquent Allah sans penser à rien d'autre. Ça veut dire quand tu te lèves pour la salat, tu penses que à Allah Azzawajal. Tu sais qu'il y a Allah Azzawajal qui est en train de te voir, qui essaie de t'appliquer pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans ta salat, mais tu ne penses pas à ta voiture, tu ne penses pas à tes biens, tu ne penses pas à ton argent, tu essaies de penser que pour Allah Azzawajal. On demande à Allah Azzawajal qu'il nous donne une salat comme celle-ci, parce que vraiment ça serait une grande réussite. Et pour ceci, il y a pas mal de versets. Si on arrive à les trouver. Alors le premier verset, Allah Azzawajal il dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ. Le vrai croyant, l'imam ici c'est pour le hasr, c'est pour les restreints. Innama al-mu'minun, le vrai croyant, alladhina idha dhukira Allah, si Allah azza wa jalla est mentionné, le nom d'Allah azza wa jalla est mentionné, wajilat qulubuhum, leur cœur se met à trembler.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et si ces versets sont récités, quand tu es dans la salat, quand tu es dans le tarawih, si ces versets sont récités, ça te rajoute de la foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est en Allah Azza wa Jalla qui mettent leur confiance. C'est là qu'on est vrai croyant. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Si ils entendent ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam, tu vois leurs yeux, c'est pas tadna, juste quelques larmes. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Elle est vraiment, elle déborde de larmes. Mimma arafu min al-haq, pour ce qu'ils ont vu comme vérité. Et de l'autre côté, il faut, chers frères, que quand vous entendez des versets du Coran, ou quand le nom d'Allah Azza wa Jal il est mentionné, que vous l'entendiez avec humilité, que vous donniez de l'importance à cette chose. Pourquoi ? Parce que le contraire serait très mauvais pour la personne. Comme il est venu dans le verset du Coran, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Il dit, est-ce que celui que Allah Azza wa Jal a ouvert à son cœur pour l'islam, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui vous êtes musulmans, parce que Allah Azza wa Jal a voulu que vous soyez musulmans. Aujourd'hui, vous avez accepté l'islam parce que Allah Azza wa Jalla a voulu que vous acceptiez l'islam. Je veux dire, plein de gens ils disent ouais, il est né musulman. Non, il est né, il est tout être né musulman, tout enfant né à l'al-fitra. Mais après, est-ce que il est vraiment musulman, c'est-à-dire il a cru en Allah Azza wa Jalla, en son prophète, en les six piliers de la foi, et il a vraiment appliqué tout ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné et il s'est éloigné de tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, ou il a seulement appliqué l'islam par coutume? Celui qui seulement a accepté l'islam par coutume et ne croit pas en Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas le compter parmi les musulmans. On est musulmans, mais il faut préserver cet islam. Alors ici on voit bien que c'est Allah Azza wa Jalla, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne l'islam. Mais ce n'est pas par notre intelligence ou par quoi que ce soit qu'on devient musulman. Mais c'est Allah Azza wa Jalla, c'est tawfiq min Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que, subhanallah, toujours un exemple flagrant, c'est que si vraiment ça serait par intelligence, les premiers à se convertir à l'islam, ce serait les médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils examinent le corps humain, ils voient qu'il est fait, subhanallah, minutieusement, que tout est bien fait. Ça devrait le mener à dire, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé cette chose-là, c'est pas possible qu'elle a été créée comme ça, c'est Allah Azza wa Jal qui mérite l'adoration. Mais non, on voit que non, c'est pas par l'intelligence qu'on devient musulman. Mais c'est tawfiq min Allah Azza wa Jal, mais c'est Allah Azza wa Jal qui donne l'islam à quelqu'un. L'intelligence peut aider, mais le final, ce sera Allah Azza wa Jal. Soit Allah Azza wa Jal pour que tu sois musulman, soit tu peux voir toute chose qui se passe, même la terre peut se fondre en dessous de tes pieds et tu ne deviendras pas musulman. Et alors on disait, faites attention de ne pas invoquer Allah sans humilité. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal, le début du verset comme on l'a récité, et après il dit فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ. Il dit: malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis. C'est-à-dire, il entend le nom d'Allah Azza wa Jal, ça ne lui fait rien du tout. Et une personne, elle lui dit, Wallah, j'ai fait ça, elle lui dit, oh, tu peux jurer, moi, Allah. Ça, c'est que ces personnes-là, c'est vraiment que leur cœur est endurci. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الأصناف كلها وبعضها. Parce que tu peux demander à Allah Azza wa Jal de faire partie de ces 7 catégories. Et si c'est possible qu'une personne fasse partie de ces 7 catégories.
comme c'est possible qu'une personne rentre des 8 portes du paradis, comme il est venu que le paradis a 8 portes. Il y a la porte par ceux que les jeûneurs vont rentrer, par ceux que ceux qui font la prière vont rentrer, il y a plusieurs portes. Et directement, Omar, il avait dit, est-ce que c'est possible qu'une personne rentre de ces 8 portes? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, le premier calife, il avait dit, est-ce que c'est possible, ô prophète d'Allah, qu'une personne rentre de toutes ces portes? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, oui, ô Abu Bakr, et j'espère que tu en fasses partie. Bilal, c'est comme s'il avait informé que Abu Bakr allait rentrer par ces 8 portes. Alors ici, une personne, elle pourrait, on essaie d'Allah, on est connu, nous, on demande à Allah Azza wa Jalla que nous tous, bismillah, on fasse partie de ça, de ceux qui sont justes, de ceux qui ont grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, de ceux dont leur cœur sont accrochés aux mosquées, de ceux qui se sont aimés pour Allah Azza wa Jalla et qui se sont séparés en lui. Celui-là, peut-être que ça va pas arriver à tout le monde, mais ça pourrait arriver qu'une femme assez belle, on a oublié Billah, on demande à Allah que ça nous arrive jamais, parce que c'est vraiment un iftila, une fitna, qu'une femme qui a un bon statut et qui est belle, le demande et qui lui répond, surtout une très belle réponse, qu'il craint Allah Azza wa Jal. Et c'est possible aussi qu'on fasse partie, et nasallallahu anakunu min al-mutasaddiqin, qu'on fasse partie de ceux qui donnent une sadaqa et tellement ils la font pour Allah Azza wa Jal, que même leur personne ne sait pas ce qu'elle a donné. Et qu'on fasse partie de ceux que lama yudhkuru Allah Azza wa Jal, que lorsqu'ils invoquent Allah Azza wa Jal dans un endroit seul, déjà ça n'arrive pas à tout le monde, subhanallah. Maintenant ils invoquent Allah que dans la mosquée. Il y en a d'autres parmi les musulmans qui n'invoquent pas Allah du tout. Ils ouvrent le Coran que pendant Ramadan, ils entendent des versets du Coran que pendant Ramadan. Subhanallah, j'avais entendu certains chouyours, ils étaient partis, c'était des chouyours, ils racontaient des imams de Masjid. Ils disaient, des fois on va dans des mosquées, et des fois on va dans des maisons pour un mariage, ou pour un enterrement, ou pour autre raison, et c'est l'heure de la prière, alors on veut prier. On dit à ces musulmans-là, mais où elle est la Qibla? Alors là, ils savent qu'il y en a l'autre qui dit, c'est par là, l'autre. Une maison, subhanallah, ils ne savent pas aller où la Qibla. C'est la ilaha illallah. Subhanallah, bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allah khair, astaghfiruka Allah khair.